Et salut tout le monde les amis, c'est PlayerGamer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 37ème épisode de Saul Last Recollection. 37ème vidéo les gars, j'espère encore une fois que vous allez bien. Si la vidéo vous plaît à la fin, n'hésitez pas. Le petit j'aime, le petit abonnement, le petit commentaire sur YouTube, ça ferait super plaisir. N'hésitez pas à venir sur Twitch et TikTok, on stream tous les vendredis et samedis. Donc n'hésitez pas, ça ferait plaisir. Bref, let's go. Let's go, let's go. Donc aujourd'hui les gars, on va faire les parents de Yui. Voilà, c'est une petite quête à risque qui me tente, je vous cache pas. Dans ce qui reste, hein, en vrai, celle-là me tentait plutôt pas mal, genre le titre m'intrigue, avec le fameux, entre parenthèses, les parents de Yui, donc ouais, non, franchement, curieux de voir, quoi, curieux de voir, et du coup, là, 37ème vidéo en deux parties, donc sur les parents de Yui, on va voir ça. Let's go, on espère une bonne CG, c'est parti. Encore une fois, j'ai encore oublié le bouton, donc attention, je vais essayer. Ok, parfait, c'est le R1, d'accord. Papa! Yui, toujours aussi malaisant en vrai. Quelle la belle... Enfin, je trouve, hein. Tu es là, papa, hihi. Qu'est-ce que... Ah. Je suis contente de te voir. Qu'est-ce qui se passe? Tu es bien câline et bien grande aussi. Bien grande? C'est parce que je suis contente de te croiser pendant ma balade. Oh putain, c'est... C'est possible que Stria lui pique sa... Pique l'apparence de Yui, ça serait si drôle. Ah, viens là que je t'attrape. Des guilis sur la tête. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de câlin. J'ai été très occupé ces derniers temps, encore plus dans le Dark Territory. Ah oui. Les gens d'ici ont besoin de toi et de maman, je sais que tu es occupé, mais... Pense à faire une pause de temps en temps, d'accord. Allez. Ah, je suis navré, Yui. Je n'avais pas pensé que tu pouvais te sentir seul. C'est pas grave, mais j'aimerais bien que tu viennes jouer plus souvent. D'accord, compte sur moi. Mais les gens pourraient mal comprendre si Alice se joue l'entendre. Ouais. Ouais. En fait, ce qui est surtout malaise, j'ai l'impression, c'est surtout le fait que, genre, Kirito, frère, il a quoi, là, dans le jeu? Il a 19 ans. On va dire, je vais viser large, hein, mais genre, il a 19 ans, max. Et Yui, c'est une petite fille, enfin, c'est une fille, quand tu regardes, elle a... Je dirais... En vrai c'est, j'ai du mal à situer, mais 8 ans, je dirais, non? 8-10? 8, je dirais, quand même. 8-10, ça me paraît élevé, quand même. On va dire 8. Mais tu vois le délire? Voilà. C'est ça, le malaise. Oh, putain! Eugeo qui vient en pire moment. Oh, le con. Kirito, qu'est-ce que tu fais? Mais en même temps, en même temps, ça crée le malaise, mais genre... Ils ont dû forcément présenter Yui. Je sais pas. En temps de paix. Je sens, on l'a jamais vu en plus, ça aurait été drôle. Ah, Eugeo! Tu as l'air tendu, désolé de t'avoir fait peur, je voulais simplement te saluer. Non, parce que là, Eugeo, il va pas nous sortir, c'est qui sa fille, quand même. T'inquiète pas, j'ai été surpris, c'est tout. Oh papa. Ah, qu'est-ce qu'il y a, Yui? Non, rien. Tu es sûr? Kirito, je voulais te demander. Pourquoi est-ce que Yui t'appelle papa? Aïe aïe aïe! Il a raison! Il a raison, Eugeo! Ah, eh bien, c'est un peu difficile à expliquer. Ah, c'est vrai que pour sa défense, c'est vrai que c'est un peu compliqué à expliquer, hein, parce que là, il faut être fort en argumentation. Là. C'est vrai que tu es toujours entouré par des filles, je me demandais si c'était. Quoi? Non, non, rien de ce genre. En fait, Yui et ma. Avec Asuna, on a. Oh putain. Merde. Papa, est-ce que je te pose un problème? Non, pas du tout, au contraire, voyons, tu n'as aucune raison de pleurer. D'accord. Non, mais franchement, Kirito, tu fais même pleurer les petites filles. Ah, si tu savais, Eugeo. Mais non, on va pas croire que... Ah, comment expliquer ça? Ah, vas-y, frère, mais déballe. Genre, au lieu de faire de l'hésitation, déballe. Tant pis, écoute. Écoute, Géo, il va trier tout seul comme un grand, parce que là... Kirito. Désolé, Géo. Je viens de me rappeler quelque chose. Ah, plus... Oh non, il fuit. Mais frère, sans déconner. D'accord. Mais wesh. Et attends.
Ah, déjà parti. Je voulais pas l'accuser de quoi que ce soit. Wesh! Oh, Kirito, il a fui! Non, en gros, tu déçois. Bon, j'espère qu'on est assez loin. Pardon, papa, c'est ma faute si Eugeo s'est fait hésiter. Non, voyons, notre histoire est compliquée et les gens se trompent facilement. Ouais, il y a de quoi un peu quand même. Ne t'inquiète pas, je vais tout expliquer à Eugeo quand le moment sera venu. Ah, yes. Oh, papa, ici. Voilà ma grande fille. Ma grande fille. Ça, c'est encore plus malaise de... Oh, putain. Sans déconner, frère. Alice qui est là en plus, mais wesh. Mais wesh, il a pas de chance aussi. Genre, à un moment donné, c'est quoi ces astres? Non, je disais que, genre, le grand fils, c'est un peu malaise, je trouve. Un peu. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Ah là là. Ah, c'est vrai que du point de vue d'Alice, là, par contre, ça peut vraiment faire un peu pédo. Ah, oh, salut Alice! Et surtout qu'en fait, c'est ça le problème, c'est que quand tu les regardes tous les deux, putain, la différence d'âge, elle fait mal, quoi. Je sais que tu apprécies la jante féminine, mais Yui n'est pas... Oh, déjà, Alice, déjà, alors... Le fait, tu apprécies la jante féminine, alors là, celui-là, il est terrible. Genre, vraiment, j'ai mal. Je suis pas Kirito, et pourtant, j'ai mal à mon être. Mais alors là... Mais qu'est-ce que tu as signé, Yui? Mais non, ça n'a rien de dégoûtant. Ah, et là, vraiment, là, pour le sauver, Kirito, il n'y a qu'une chose qui peut arriver. Il faudrait qu'il y ait Asuna, tu vois. Il faudrait qu'il y ait Asuna qui pop... Et que là, elle est dans le même délire qu'Irito. Et là, du coup, tu fais « Ah !» Bon, bah voilà, c'est bon, je comprends. Là. C'est bon. Et au moins, le malaise deep, quoi. Alors, je peux savoir qu'est-ce que, ce que c'est. Mais genre, mais non, mais vraiment, ça me fume. Genre, Kirito, il a pas présenté Yui, mais wesh. Non, mais sans déconner. Non, mais frère. Papa. Toi bien, Yui, elle n'est pas en train de te gronder. Ah, par contre, Yui... Yui, c'est moi ou elle est sans âme dans ce jeu-là? Parce que, je sais pas, dans l'anime, elle avait quand même plus de personnalité que ça, quoi. Je serais aussi curieuse de savoir pourquoi... Ouf. Bah ouais, non, mais c'est sûr, quand t'es pas au courant, j'avoue, hein, moi je comprendrais la question. Hein. Je peux t'expliquer? Alors, bon sang, c'est si dur à faire comprendre. Ah, tu m'étonnes, alors là. Écoute, pars sur un procédé simple, tu comprends? Ah ouais, non, mais en plus, putain, il faut l'expliquer à eux, mais c'est la merde. Ah, en vrai, c'est la merde, parce que genre, il faut que tu leur expliques que ils ont joué à un premier jeu qui s'appelle Sword Art Online. Dans leur premier jeu, c'était un jeu, mais pas vraiment, parce que c'était... Il y avait un délire de mort, en fait, tout ça. Et sachant qu'en plus, je crois, c'est encore pire, c'est que dans les jeux, dans la chronologie du jeu, je parle, Sao existe, mais il est pas tout à fait pareil. Mais oui, en gros, c'est la même histoire. Au niveau du oui, c'est la même histoire. Je vous l'avais déjà expliqué. Papa, est-ce que c'est mal que je vous appelle? Ouais, un peu. Un peu, Yui. Pas devant les invités. Pas du tout, ce n'est pas mal du tout. Ah, c'est si, quand même. Hein. Une minute! Elle t'appelle papa et Asuna maman. Ouh, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah bah là, ça semble clair. Hein. Écoute, il y a une excellente raison à ça, aussi bonne que compliquée. Ouais. Choisis bien tes mots, Kirito. Gare à toi. S'il y a quoi que ce soit d'indécent. Je m'étonne. En vrai, ça fait. En vrai, du point de vue d'Alice, ça fait vraiment genre RP chelou, tu vois. Genre vraiment. Alice, je t'en prie, la violence t'as jamais résolu. Ouais, c'est vrai. Je te trouve bien gêné. Tu dois te sentir coupable pour être dans cet état. Franchement, elle a raison, quand même. Mais non, je n'ai pas à me sentir... Ouais, oui, c'est clair. Alors parle! Pourquoi est-ce qu'elle t'avait... Vas-y, parle! Mais oui, mais bien sûr! Abrège! Vas-y! Sors un truc! Sors une disquette! Je sais pas. Très bien, tu as gagné. Mais calme-toi, range ton épée et on pourra parler. Papa, je vais... Oh, c'est vrai, écoute, j'ai une... Oh non, mais non. Non, tu peux pas faire ça. Non! Attends un peu, on n'a pas encore fini. Non, mais non, frère, tu peux pas faire ça. Putain, il se barre deux fois! Ne t'en rends pas comme ça! Il y a une partie 2, frère, mais la partie 2, elle va être exceptionnelle. Putain! Ce serait plus facile s'il prenait pas ça autant. Bah. Ouais, non, mais en même temps, frère. Bon. Hein? Amitié, tout ça, y a pas de problème, hein, mais bon, comprends que du point de vue d'Alice et Eugeo, c'est chelou, ils ont raison. Papa?
Ça va, Yui? Je pense qu'on devrait être tranquille maintenant. Je suis pas sûr. Non, ça va pas. Ah, ça va, Yui? Joe et Alice sont tes amis, il faut leur expliquer et tous les autres. Voilà, bah oui, bah évidemment, Yui. Tu as raison, évite le sujet. Bah oui, évite pas le sujet, mon œuf. Pardon, je sais que j'aime trop être avec toi. Par contre, en vrai, si t'expliques Kirito le bail, explique-le à Kazuna, quoi. Genre, vraiment, si t'es seul à l'expliquer comme ça... Voilà, quoi. C'est parfaitement normal, c'est juste qu'on forme une famille un peu différente. Ouais. Je vais prendre le temps d'expliquer tout ça à Alice et Géo. Non, mais explique aux autres aussi, hein. Évite le quiproquo, genre, vraiment... Explique à ceux qui sont proches de toi, alors pas jusqu'à Berkouli Fanatio parce qu'on s'en branle, mais genre, par exemple, Dorossi. Moi, je l'expliquerai à Dorossi, tu vois, par exemple. Ah, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais... Dans le jeu, on a l'air quand même vachement proche d'elle, donc vraiment, je dis ça, j'ai rien. Putain, par contre, 10 minutes la partie, waouh. Ah, c'était long pour une fois. Ok, j'ai fait beaucoup de pauses, mais franchement, c'était plutôt long le dialogue pour un coup, hein. Et on n'a pas eu la CG. Et oui. Je crois qu'il y a une partie 2. Ah, voilà. Ah non, attends pour moi. Ouais, non, il y a une partie 2. Alors, les parents de Yui 2. Ouais, les parents. En vrai, je m'attendais pas du tout à un dialogue comme ça, tu vois. Je pensais que c'était... je pensais que ça allait être... on allait parler, tu vois, du fait que bah c'est... que Yui, c'est Nia, tu vois, genre, qui aurait pu être ses parents biologiques, tu vois. Une genre de connerie comme ça, tu vois. Je pense que j'aurais cru qu'on aurait creusé le passé de Yui que plutôt parler de ça, mais ok. C'est tout aussi sympa en vrai. C'est Yui? On dirait qu'elle a un problème. Ouais, un peu, ouais. Hé, hey, qu'est-ce que tu... Hein? Oh putain, qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'ai peur. Ah, l'interrogation! Ah, oh merde! Ah, l'interrogation EGO Alice pour Yui. Ils ont tellement raison. Ils ont tellement raison. Magnifique CG, encore une fois. Non, vraiment, elle est incroyable, la CG. Essayons autrement. Pourquoi est-ce que tu appelles Kirito papa et Asuna maman? Ah, let's go, Sou. C'est vrai, je me posais la même question. D'accord, je vais vous le dire. Quoi? Mais à quoi ils jouent? Qu'est-ce qu'ils font là? Et je fais quoi? Si je débarque maintenant, ça va être le drame. Ah, quel enfer! Ah, franchement, en vrai, là... Ah, alors là, dilemme cornélien. Là, vraiment, est-ce qu'il débarque ou pas? En vrai... En vrai, débarque. Débarque pas, je dirais. Mais si Yui perd trop ses mots, débarque. Voilà. C'est vraiment... Vraiment, moi, j'attends ce que Yui fait. Honnêtement. Pour nommer les choses clairement, j'ai été créé. Tu as été créé. Ok, ça, c'est pas mal. Comment ça? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Je suis le prototype d'un programme de santé mentale, nom de code Yui. Je suis une IA conçue pour aider psychologiquement les joueurs d'Encrad. Ou alors là, Yui, déjà, rien que l'Encrad, tu les as perdus. Vraiment, là, c'est terminé. Tu veux dire que tu as été inventé par quelqu'un comme le Sword Golem? Oui, un peu comme cette entité artificielle, pourtant gérée sans but. Personne ne m'a utilisé, j'étais seul et triste, j'avais même perdu la mémoire. Oh non. Alors que je désespérais, maman et papa m'ont sauvé. Je ne me souvenais de rien et ils se sont occupés de moi comme de vrais parents. Pour le dire autrement, Kirito et Asuna ont été comme des tuteurs pour toi. Et c'est ça, en vrai c'est ça. Oui, c'est une bonne façon de le décrire. Ils étaient si gentils que je me suis mise à les appeler maman et papa, je les aime. Eh ben, c'est vraiment pas banal comme histoire. Tu m'étonnes. Je dois m'excuser, j'étais si méfiante que j'ai sorti mon épée. Ah oui, tu peux t'excuser. Non, franchement, non. Non, clairement, Kirito, non. Moi, je trouve que la réaction d'Alice était humaine. Incroyable en plus, genre, franchement, elle était humaine. Clairement. Très bonne réaction, je trouve. Je suis désolé, moi aussi, c'est moi qui ai créé ce malentendu. Ouais. Mais au moins, elle s'excuse, c'est bien. C'est bien, Yui. T'es bien éduqué. On s'est inquiété pour rien, nous aussi. Ouais. J'avoue que t'entendre les appeler papa et maman m'a fait tiquer. Ah, tu m'étonnes. Mais t'as bien raison, Alice. Mais vraiment, change rien, hein. T'as bien raison. Hein. Mais là n'est pas le problème. Ah. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Tu dis avoir été créé, mais pour moi, tu n'as rien à voir avec le Sword Golem.
C'est vrai, je ne te vois pas comme ça, et Kirito Asuna non plus. Oui, papa et maman, ils... Ah non, pleure pas. Non, oui. Oh pardon, ne pleure pas, c'est merveilleux la façon dont tu te vois. Oui, c'est les meilleurs. On ne voulait pas te faire pleurer, Kirito aurait dû simplement nous en parler. C'est vrai. C'est très clairement vrai, alors franchement là... C'est vrai, elle a esquivé le sujet, il a compliqué les choses inutilement. C'est vrai, mais doublement vrai. Sans zéro. Ah là-dessus, il n'a pas tort. Bah tu m'étonnes. Bon, il est temps d'en parler. Oh putain, mais ils l'ont cramé. Non, s'ils l'ont cramé, c'est malaise. Ils m'ont vu. Enfin, pardon. Enfin, pardon. Oui, tout ce que... Ah non, wesh, ils t'ont vu. Non, non, t'as pas été discret, Kirito, mais wesh. J'aurais dû mettre les choses au clair dès le début, je suis vraiment désolé. Papa. Merci d'avoir mis les mots sur tout ça, Yui. Yui est unique dans l'Underworld et même dans le monde réel. Mais comme elle l'a dit, pour moi et Asuna, elle n'a rien d'artificiel. Je vois, tout est clair à présent. Je voulais te demander une dernière chose. Je t'écoute, qu'est-ce que tu veux savoir? Eh bien, tu peux me dire ce que veulent dire... Quoi? Sans déconner? Vous connaissez... Mais wesh. Alice connaît pas ces mots? Et Eugéo non plus, non? Hein? Ça? C'est vrai le vocabulaire de l'Underworld? Mais wesh, mais... Quoi? Mais il disait quoi alors? Oui, tiens, moi aussi je me demande ce que c'était. Quoi? Non mais wesh, sérieux? Dans l'Underworld, ils s'appellent même pas... Mais wesh. Sans déconner? D'accord. C'est vrai? Eh ben, c'est très simple, papa veut dire le père et maman la mère. Ouais, mais ils savent peut-être même pas ce que c'est un père et une mère, carrément. Quoi? Bah alors ça veut dire que... Oui, je suis la fille de papa et maman. Explique-toi immédiatement. Ouh. Eh ben, vous savez... Et lui, il tiendra tranquille un instant. D'accord, papa est pas content. Ça t'amuse, Yui. Ça m'a entendu, Alice. C'était pas ça, Géo. Eh, comprends-moi, Géo. Ah, franchement, eh, franchement, la une, elle est banger. Ça t'amuse, Yui. Non, mais clairement, ça l'amuse, hein, c'est sûr. Putain, c'est dangereux, hein. Elle est dangereuse, Yui, dans ce monde, hein. Putain. Kirito, ne sois pas si dur avec elle. Allez, Kirito, explique-toi pour de bon. Désolé, je... Oh non, mais frère, mais non. Mais non. Haine, parfois comme ça. Kirito, arrête-toi tout de suite. Bonne chance, papa. Oh, merde. Une nouvelle tenue... Oh, pour Eugéo. Ah ouais. Oh, putain, une nouvelle tenue pour Eugéo. Mais non. Incroyable. Eh ben, il était incroyable, celui-là, je trouve. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais celui-là, il était bengouze un peu, quand même. Hein. Franchement, putain. Pas mal du tout, hein. J'ai eu raison d'y croire de celui-là parce que... Ouais, non, pas mal. Alors, comment on fait? Non, équipement. Ouais, c'est ça, équipement. Alors, tenue, qu'est-ce que... Ah, visualiser tenue, voilà. Non, ça, c'est les armes. Armure. Alors, tenue spéciale EGO, c'est ça? Ah oui, ça va être cela. Tenue rose bleue, ouais, d'accord. Et tenue cathédrale. Ah oui, ouais, bah c'est normal. Ok, tenue spéciale. Donc c'est celle-là. Ok. Et en vrai... En vrai... Je sais pas ce que vous en pensez, mais petit flow. Genre franchement, le claque. Moi, je la trouve vraiment sympa, cette tenue de Géo. Très sympa avec ce noir-là. Ah ouais, ça rend bien. Franchement, ça rend bien, je trouve. Ok. Bah ouais, très sympa cette story de Yui. Ah, j'aurais trop aimé un troisième after là cette fois avec Asuna, avec le point de vue d'Asuna. Oh, Asuna qui est... En vrai, putain, c'est con. La deuxième partie aurait été Asuna qui s'explique. Oh, ça aurait été banger. Oh, c'est con. Putain, cette story là, il y a un potentiel de malade. Dangereux en tout cas, Yui dans l'Underworld là. Putain. Ouf. Terrible. Je regarde au cas où c'est une partie 3, hein. Faites-nous rêver, mais. Oh, putain. Ah, c'était pas mal. C'était pas mal, mais wesh, putain, c'est assez con. Ça aurait mérité le point de vue d'Azuna, là. Ça aurait été exceptionnel. Ça aurait été incroyable. Vraiment. Oh, c'est con. Oh, c'est tellement dommage. Mais genre, vraiment. Ça aurait été trop ouf. Ça aurait été trop ouf.
Non, ok. Ok, bah c'est fini. Bah écoutez les gars, on s'arrête là. J'espère que ça vous aura plu. Cet épisode numéro 37 de Sao Last Reclusion. Encore une fois, n'hésitez pas, le petit j'aime, le petit abonnement, le petit commentaire sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, hein, ce serait super plaisir pour le soutien. Et aussi, n'hésitez pas à venir sur Twitch et TikTok. Voilà, lien en description, n'hésitez pas. Ça ferait super plaisir en stream tous les vendredis et samedis. Allez, ciao ciao les gars, bye tout le monde. Ciao ciao.